Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Comme moi, vous aimez jouer votre verre à deux mains. On va travailler ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. L'objectif est de renvoyer la balle de l'autre côté du filet avec une trajectoire arrondie pour plus de sécurité. Dès que vous percevez la direction de la balle, orientez le haut du corps tout en amenant la main gauche, pour un droitier, sur le manche et adoptez une prise marteau pour la main droite. Adoptez des appuis semi-ouverts à en ligne en vous plaçant latéralement à bonne distance de la balle et suffisamment éloigné du rebond pour frapper la balle dans sa phase descendante. En même temps que vous ajusterez votre placement, amenez la raquette vers l'arrière sans dépasser la ligne des épaules, le tamis restant au-dessus des deux mains. Relâchez vos poignets pour réaliser la mise à niveau et déclenchez la frappe. Frappez la balle en équilibre, légèrement en avant du corps, à hauteur du bassin, les épaules revenant progressivement face au filet. Accompagnez un relâchement vers le haut, vers l'avant, puis vers la droite. Et enfin, reprenez une attitude d'attention dynamique. Ce qu'il faut retenir pour le revers à deux mains. Une orientation du haut du corps dès la perception de la balle. Une prise marteau pour la main droite. Des appuis semi-ouverts à en ligne. Le tamis au-dessus des mains dans la préparation. Un bon équilibre à la frappe. Et enfin, une frappe légèrement en avant du corps, suivie d'un accompagnement relâché. Mon conseil, c'est de rapprocher vos deux mains sur le manche, tout en orientant vos épaules.